Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Mon avis sur un film qui est sorti le 4 août 2010. 4 août 2010, il dure 1h53. Ce film a été écrit par Daniel Monzon, avec des acteurs que je connais pas. Parce que c'est des acteurs espagnols, ouais. Il y a Luis Tosar, Alberto Alman, Antonio Reyes. Et ce film, c'est un genre thriller, action, drame. Et c'est un film espagnol et français. Je vais vous parler bien sûr de Cell 211. En fait, en français, c'est Cellule 211. Français. Ce film-là, en fait, c'est un film de prison. Un jeune qui devrait travailler pour être gardien, mais un jour plus tôt, il doit découvrir la prison, le fait visiter, mais le jour même, une émeute. Emmené par Maradas, un truc comme ça, lui là, le chauve là, emmené par lui, c'est qu'il y a, quatre membres du, je sais plus comment on dit, quatre membres du, l'ETA, voilà, prisonniers, et s'ils ne sont pas, ils les tuent, quoi. Après, il a des opérations, tout ça, avec les chefs de police, tout ça. Mais ils n'arrivent pas, tout ça. Après, il y a à peu près 48 heures de machin. Après, le flic fait exprès prisonnier. Après, il est infiltré. Après, mais le gardien, il s'appelle Juan Oliver, et en fait, sa femme, elle est enceinte, mais sa femme, il n'arrive plus à le joindre sur le téléphone, il décide d'aller voir la prison, qu'est-ce qui se passe, mais en dehors de la prison, il y a plein de monde qui connaît bien les détenus, tout ça. Voilà, et le drame, un drame qui s'est passé. Je ne dirai pas plus. Voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Pour moi, je mettrai la note de 3. 3 étoiles, un bon film. J'en reverrai bien plus tard ce film-là, un bon film. Qui a de l'émotion, de l'action, il y a même de la trahison même. Et pour un film espagnol et français, ça va. J'ai bien aimé les acteurs, le chauve là, il joue très bien le chauve. Très bon acteur. C'est un des premiers films que je vois de lui, quoi. Voilà. Je peux dire aussi, c'est un film quand même, il y a beaucoup de sang aussi, hein. C'est pas un film pour les enfants, hein. et voilà, ouais, je peux vous mettre un petit peu les images derrière, voilà, les images derrière, voilà. Et puis la jaquette, voilà. Voilà mes amis, je vais vous laisser pour ce soir. J'avais dit tout à l'heure le match Montpellier Paris Saint-Germain, j'allais pas regarder un film, mais j'ai craqué. Peut-être je remarque un autre après, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est voilà, je vous quitte et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à demain. Voilà. Bon allez mes amis, je vous laisse et je vous dis ciao.